Ok, moi c'est Cédric Aouti. Ma motivation, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Depuis tout petit même, là, j'avais décidé de travailler au niveau de la santé. C'est-à-dire être médecin d'abord pour mon premier choix, mais Dieu en a décidé autrement. J'ai opté encore pour l'infirmerie. Voilà. Donc j'ai déjà essayé plusieurs fois. Ne suis pas découragé, parce que c'est ce que je vais faire en fait. Voilà. Donc mon courage m'a permis encore de présenter encore cette année. Et je sais que cette année-là sera la bonne. Parce que je suis né, j'ai voulu être médecin, ça va marcher, je vais être infirmier. Tu vois? C'est pas parce que c'est dur, mais c'est pas mal. Il faut dire que ça fait la troisième fois que. Hein? Ça fait la troisième fois que je postule. Moi, je m'en sois, c'est pas mal. J'avais de tout petit, mais j'ai envie de travailler dans la santé. Et j'ai voulu aider les femmes dans la consultation pour ma femme et dans la maternité aussi. Moi, je suis très heureuse ce matin de venir présenter ce concours. Rangez vos dossiers selon l'ordre suivant. D'abord la fiche de préinscription, la photocopie du baccalauréat et l'attestation et la carte ou la carte d'identité en cours de validité. Donc vous vérifiez que sur la photocopie, la série du bac apparaît. Si tel n'est pas le cas, vous joignez la photo originale juste derrière. Vous réfléchissez aussi à la filière. À la filière de votre choix. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on constate? C'est devant l'informaticien que le candidat dit. On lui demande quelle est la filière que tu as choisi. Non, c'est-à-dire que ne voit pas tout. À un moment dit, lui on ne sait même pas, parce que c'est pas lui qui a fait l'instruction, c'est pas lui qui a fait la prise. Donc dès maintenant, là, vous réfléchissez à la filière que vous avez choisi. Pour ceux qui ont peut-être fait un choix, qui veulent compléter par un deuxième choix, c'est possible. À l'étape de la validation, vous le spécifiez à l'informatique, comme ça il va prendre cela en compte. Maintenant, pour ceux qui ont fait trois choix, ils veulent revenir à un choix. Ça aussi, c'est en face de l'information. S'il y a des erreurs sur le nom, s'il y a des erreurs sur le niveau des tables, tout ça, c'est à l'intérieur avec l'information. Qui vont corriger, vous allez corriger. Mais je précise aussi que quand il y a une correction, une modification qui est portée sur la fiche, il va falloir surtout au niveau des différents choix. Si c'est un choix que vous voulez compléter par un deuxième choix, il va falloir imprimer une fiche, une autre fiche de préinscription. Parce que c'est avec cette fiche-là qu'on va vous servir. On va vous donner la fiche de candidature. Donc vous partez déjà, vous allez rentrer pour la validation. Après l'étape de la validation, vous préparez 2000 francs pour la prise de photo. On vous prend la photo, on vous remettra une fiche avec votre photo. Sur la fiche. Si c'est deux choix, vous avez obtenu deux choix. Vous aurez deux fiches. En fonction du nombre de candidatures, vous aurez deux fiches à correspondre. Vous récupérez vos fiches. Vous partez directement au centre médical, au service médical de l'IFAS. Pour la prise de votre poids, taille et votre pression artérielle. Votre pression artérielle, une fois que c'est fait, là-bas également, vous remettrez les fiches. Au niveau de l'intérieur de l'état, vous avec cette fiche-là, vous rentrez au niveau. Monsieur Conan Noël, responsable de la filière biologie médicale, hein, enseignant sur la TSS. Voilà. La première phase consiste à donner les codes aux candidats. C'est pour ça qu'ils sont regroupés ici. Ils vont rentrer tout à l'heure dans la salle et il y a deux jeunes enregistreurs qui sont là-bas et ils vont donner les codes. Après, quand ils ressortent, ils viennent de ce côté.
et ils viennent pour se faire prélever. Donc une fois qu'ils ont fini le prélèvement, là, ils continuent la suite. Donc ce cadre constitue le cadre de l'examen biologique. D'abord le code, ensuite le prélèvement. Et le responsable de ce palier-là, on consiste à les ranger, ne pas qu'il y ait du cafouillage. Et ça consiste aussi à donner, à encadrer ceux qui prélèvent. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à prélever, il m'appelle, il appelle aussi les autres enseignants et on s'en va pour prélever à sa place. Et lui montrer comment on prélève, parce qu'il n'a pas su prélever, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Donc c'est comme ça le rôle que nous avons ici. Voilà. Donc ici, après avoir pris le code, on passe par ici pour aller faire, pour aller récupérer les chips et se faire prélever. Et quand on a fini de se prélever, qu'est-ce qui se passe? On leur demande de s'asseoir et de maintenir le coton en place pendant 2 minutes. Ceci va permettre à la où on a piqué là de se fermer. Après, à la suite d'une coagulation, hein, il y a un coagulum qui va être là et il va se fermer. Cette blessure va se fermer. Donc, ils reviennent, ils continuent la route pour aller chercher le kit qui est devant l'administration. Voilà à peu près tout ce que nous faisons ici. Ça va? Voilà. Des matériels. Voilà, tous les matins, on vient avec les matériels, on est place. Plus les étudiants viennent s'élever, plus après on ramasse, c'est fini. Le dépôt des dossiers consiste à déposer un dossier qui est composé de la fiche de candidature dans lequel se trouvent les éléments suivants. La fiche de préinscription, la fiche du reçu de paiement, le récépissé de photos numériques, la fiche de photocopie du diplôme, la photocopie de la pièce d'identité et ensuite la fiche de constante du candidat. Une fois que ces fiches sont déposées, nous exigeons aussi le récépissé de photos numériques et le reçu d'inscription sur lesquels seront imposés des cachets qui seront ensuite remis aux candidats qui attesteront par la suite qu'ils ont bien validé le circuit du dépôt des dossiers. Bon, ok, je vais aussi parler de comment on appelle, de l'inscription des concours. Il faut dire même depuis la phase de l'inscription en ligne jusqu'à venir faire l'inscription physique. Il faut dire que tout s'est bien déroulé. Voilà, l'organisation a été bien faite. Et arrivé ici, le rang, tout est bien disposé. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'amertume. Tu viens, tu t'inscris, tu t'en vas. C'est pas trop fatigant, quoi. Merci beaucoup.